Un seul titre à la une de ce journal, la République démocratique du Congo à travers le ministre des Finances, Honoré au Togo, Nicolas Kazadi, a été plébiscité meilleur ministre des Finances par le magazine Africa Financial. Les détails dans une quinzaine de minutes. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition sur la Radio-Télévision nationale congolaise. Ce journal partira des États-Unis d'Amérique. Le président de la République, Félix Antoine, est arrivé depuis ce dimanche, accompagné de la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi. Le chef de l'État va participer au sommet États-Unis-Afrique qui s'ouvre ce mercredi dans la capitale fédérale américaine. Plus de 40 dirigeants africains prendront part à ces échanges directs de 3 jours avec l'administration américaine, 8 ans après le rendez-vous du genre organisé en 2014 par Barack Obama. Au cours de ce sommet, le président américain Joe Biden va défendre l'idée d'une intégration de l'Union africaine au G20 qui rassemble 19 des économies les plus avancées ainsi que l'Union européenne. Lors de son séjour, Félix Antoine Tshisekedi aura plusieurs rencontres bilatérales. Il devrait renforcer le plaidoyer afin d'obtenir des sanctions contre le Rwanda et son bras séculier M23 qui occupe une partie de la province du Nord Kivu et qui tue la population dans les territoires sous son contrôle. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions d'informations. Retour ici au pays et rendons-nous à Kishindé, dans la province du Haut-Lomami, où justement les victimes de l'agression, de la guerre de l'agression ont été assistées en vivre par l'Église des Saints des derniers jours. L'organisation non gouvernementale Women of Faith, avec l'appui de ses partenaires, l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, a apporté une assistance en vivres et non vivres à plusieurs centaines de ménages de déplacés venus du territoire de Rutshuru à la suite des affrontements entre l'armée loyaliste et les rebelles du M23 avec leurs alliés et qui sont cantonnés dans le territoire de Niragongo. Cette remise effectuée ce jeudi 8 décembre a été lancée par le gouverneur du Nord Kivu, représenté par son conseiller principal en charge des actions humanitaires, en présence du chef de division en charge des affaires sociales et de plusieurs autorités. Dans son discours, le représentant de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours en RDC a rappelé que cette assistance est une donation des personnes de bonne volonté pour compatir avec les populations victimes de la guerre. Étant des disciples de Jésus-Christ, et nous voulons toujours suivre ses pas, raison pour laquelle nous avons assisté les déplacés de Rutshuru. De son côté, la coordinatrice de Women of Faith, Nadine Elima Banzé, a lancé un appel aux bénéficiaires d'être à leur tour animés d'un esprit de partage et de charité. Nous demandons à notre bailleur de fonds, l'Église de Jésus-Christ, de ne pas baisser les bras, de continuer à nous financer parce que le besoin est encore là. Et nous demandons à d'autres personnes de bonne foi d'emboîter notre pas et assister cette population qui souffre. Le gouverneur provincial a salué ce geste si louable de ses partenaires qui contribuent à soulager le calvaire que traversent des milliers de déplacés ayant fui les attaques terroristes. Ayant bénéficié chacun d'un colis composé d'un sac de riz, de farine, de haricots, 5 litres d'huile, et 3 cuisses de savon, du sucre, du sel, les frais de transport, les bénéficiaires ont manqué de mots pour exprimer leur joie. C'est la première fois que nous venons de recevoir une quantité suffisante en vivres depuis que nous nous sommes installés dans le cadre de Don Bosco. Cette distribution est aidée d'une formation et des différentes sur terrain pour identification et enregistrement des bénéficiaires dans leur site. Pour le retour de la paix et à l'unité de toutes les communautés à Soleniema, message du chef de la chefferie des Babwa Bakoué à la population de son entité coutumière, Junior Seleman. Avoir imposé la sécurité sur l'ensemble de la chefferie des Babwa Bakoué. Place à présent au retour de la population dans leurs habitations. Le chef de village et de groupement de cette entité coutumière ont été sensibilisés ce samedi par l'administrateur du territoire du Rumu à l'unité et à la cohabitation pacifique de toutes les communautés ethniques de la région. C'était au cours d'une réunion du comité de sécurité élargi. Un message qui a trouvé un écho favorable, précise le chef de la
la chefferie de Baboua Bokoué, Zora Bolemi. Je suis ému de joie car nous avons reçu un grand message venant de l'administrateur militaire. Celui-ci nous a exhortés à la paix et à la cohabitation. Je demande à la population de regagner ses habitations car la sécurité est déjà garantie. Et à tous ceux qui détiennent encore les armes, je les exhorte de suivre les programmes des PDDRCS afin de remettre les armes acquis des droits et d'adhérer à la vie civile pour l'émergence et le développement de la chefferie de Baboua Bokoué. Depuis le déclenchement des tensions communautaires à Solo-Niama, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Lubuyanka Shoma Johnny, met les bouchées doubles pour recréer la confiance entre les communautés Bira et Emma à travers plusieurs rencontres de sensibilisation à la culture de la paix. $1 pour soutenir les forces armées de la République, l'initiative de la nouvelle génération Tshisekedi qui vient de lancer cette collecte de fonds. L'opération s'étendra jusqu'au 3 janvier prochain. José Baïtouambou. De Congolais qui se mobilisent pour apporter leur soutien aux forces armées de la République au front et leurs familles, la nouvelle génération Tshisekedi n'est pas en reste. Au cours d'une matinée de réflexion tenue ce samedi à Kinshasa, la NGT a lancé la collecte de fonds et de biens en nature qui pourront sauver tant soit peu les militaires au front et leurs familles. Une collecte lancée simultanément à travers le pays. Nous avons initié l'opération souscription pour la solidarité vis-à-vis des non-vaillants militaires. Raison pour laquelle nous avons lancé officiellement aujourd'hui la souscription de $1 et plus pour nos vaillants militaires. Nous n'avons pas voulu seulement soutenir les FADC, pas une simple marche de soutien. Nous n'avons pas seulement voulu faire des déclarations politiques, mais nous avons voulu faire montre de notre générosité, la générosité de tous les cadres de la NGT, sur toutes les territoires nationaux, afin de contribuer financièrement pour soutenir nos FRDC. Éric Engenienjoli, coordonnateur adjoint de la nouvelle génération Tshisekedi, a par la même occasion salué la détermination du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un retour à la paix sur toute l'étendue du territoire national. La collecte sera déposée au chef d'état-major général au mois de janvier prochain. Il s'est tenu une matinée scientifique à l'Université Congo de la province du Congo central. Elle a été organisée par l'école de guerre de Kinshasa, occasion pour le général Godefroy Molande, chef de la délégation, de sensibiliser la jeunesse estudiantine sur la sauvegarde du territoire national. On en parle avec Iverson Kababa. Les étudiants de la troisième promotion de l'école de guerre de Kinshasa des passages pour Kitona ont effectué une descente scientifique à l'Université Congo. Ces derniers ont organisé une matinée scientifique pour éclairer les étudiants de l'Université Congo sur l'école de guerre. Le général Godefroy Molande, qui a conduit cette délégation de cette école, a mobilisé la jeunesse pour la sauvegarde de la souveraineté du territoire national. Les jeunes ont compris et je pense qu'ils feront. La question de la défense, la question de la sécurité sera la leur. Nous allons voir avec l'Université Congo, c'est pour qu'il y ait un master interdisciplinaire, pour qu'ils puissent aussi commencer à former, non pas seulement les militaires, même les civils, dans le domaine de défense et sécurité. Je leur dis que le Congo leur appartient, qu'ils saisissent l'appel mobilisateur du chef de l'État pour s'approprier de la défense de leur patrie. Parce que la nation, les Congo, notre pays, c'est le seul héritage que nous avons en commun et qui mérite d'être défendu et protégé par chacun de nous. Le recteur de l'Université Congo, Odila Gamela, a saisi l'occasion de lancer un message d'aide financière pour la construction de la faculté de médecine au site de Kisantu. La population de Bouindé, dans la province de la Tuapa, déterminée à porter son soutien au chef de l'État et aux forces armées de la République engagées au front. Face à l'agression rwandaise sous les labels 1-23, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a invité les Congolais à l'élan patriotique. Félix Bosekota, président de l'encadrement de paysans pour le développement de la RDC, s'est approprié cet appel. Il s'est rendu à Bouindé pour sensibiliser le jeune en s'enrôlant massivement dans l'armée. Il a aussi invité la population à la collecte de fonds pour le soutien des FARDC. Je suis venu ici à Bouindé en premier lieu pour suivre les travaux que j'ai entrepris.
En second lieu, mobiliser la population par la prière en faveur du président de la République et de nos frères de l'Est. La troisième chose, c'est la sensibilisation à l'enrôlement qui arrive. Nous n'avons qu'un seul chef et un seul candidat, Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous devons nous unir dans l'amour et dans la crainte de Dieu et éviter la division. Félix Tshisekedi Tshilombo, tu vas soutenir na bitumba zo bunamboka Est. Mettons à profit son séjour à Bouindé et Tamakolé où s'exécutent les travaux de réhabilitation de routes et dessertes agricoles réalisés avec son appui financier. Il est allé se rendre compte de l'exécution des travaux. C'est dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté. Comme annoncé au sommaire, il a été plébiscité meilleur ministre des Finances pour l'année 2022 par Financière l'Afrique, un journal panafricain, lors de la 5e édition du Harold à Lomé au Togo. Nicolas Kazadi a été honoré pour son engagement dans la mobilisation des recettes publiques. Les explications d'Edith Tiala. Plébiscite du ministre des Finances Nicolas Kazadi sur les plans des finances publiques. Tout a commencé le 20 septembre 2022 lors d'une cérémonie pittoresque organisée par le magazine Forbes à New York aux États-Unis d'Amérique. Une cérémonie qui a vu reconnaître des mérites à quelques Congolais qui ont et continuent d'exceller dans le domaine des finances publiques. Parmi ces Congolais, le ministre des Finances Nicolas Kazadi qui a occupé une place de choix pour ses performances indiscutables sur les plans économiques et financiers. Pas plus tard que la semaine dernière, le journal panafricain Financial Africa, spécialisé dans les questions financières, a remis à Nicolas Kazadi le prix de meilleur ministre africain des Finances de l'année 2022. La cérémonie, qui a immortalisé les réalisations du ministre congolais des Finances, a eu lieu jeudi 8 décembre 2022 à Lomé, capitale du Togo. Les raisons pour lesquelles Nicolas Kazadi occupe la première place des ministres africains des Finances sont connues de tous. La République démocratique du Congo a connu un accroissement historique des recettes publiques depuis la nomination de Nicolas Kazadi à la tête du ministère des Finances au mois d'avril 2021. Les recettes domestiques, fiscales et non fiscales, collectées en 2021 ont connu un accroissement de 68% par rapport à l'année 2020, les ramenant à 11 680 millions de francs congolais contre 7 400 millions de francs congolais en 2020. Cette augmentation a eu un impact positif en matière des finances publiques en RDC, le vote de la loi des finances rectificatives à la hausse en octobre 2021. Cette tendance s'est poursuivie en 2022. Autre chose, ils poursuivent leur séjour de travail dans la partie est du pays. Le comité de gestion de la société minière Kilomoto et le conseil supérieur du portefeuille ont inspecté dernièrement la centrale hydroélectrique de Bougana, située à 12 km de la ville de Bounia. Notre envoyé spécial, Christian Lenzo, nous donne les détails. Les DG Pistis Bonongo Tokole avaient pris la direction de Boudana dans les secteurs d'intérêt à Nitouri pour inspecter un autre barrage encore opérationnel. Il a été présenté avec toute sa délégation à ces femmes des travailleurs et qui lui ont aussi donné accès à ces sites selon la tradition. Cette centrale hydroélectrique de Boudana, qui a un canal d'aménée de 600 mètres qui conduit vers la salle des machines, était mise en service en 1940 par le général belge Georges Mollard. Il fonctionnait au début avec deux machines. C'est en 1950 qu'un troisième groupe a été rajouté. Selon le directeur Ngiti des Electrokimo, c'est au fil des années que ont connu des pannes et les autres équipements devenus vétustes. La délégation a aussi visité la sous-station de Boudana. Pour le moment, l'électricité qui était d'une puissance de 10,8 MW est passée à 4 MW seulement. Bien que les barrages restent opérationnels, les experts de la Sokimo ont sur place proposé au comité de gestion la réhabilitation ou les remplacements des machines à 22 millions de dollars américains pour que ce barrage retrouve sa puissance initiale. La Sokimo compte sur l'appui du chef de l'État pour que cette électricité réponde aux besoins principaux de l'exportation d'or, aussi aux besoins sociaux dans la ville de Bounia et de ses environs. Les jeunes de Lukunga ont été sensibilisés sur l'enrôlement massif dans l'armée et sur les enjeux électoraux en RDC. C'était au cours d'une matinée politique organisée à l'UDPS Force du Progrès le samedi dernier. Junior Yangumba pour le reportage. Il avait pris la tête de la République démocratique du Congo début 2019.
Félix Tshisekedi est candidat à sa propre succession pour la présidentielle programmée en RDC fin 2023. Pour atteindre cet objectif, l'UDPS, force du progrès Lukunga commune de Ngaliema, a tenu une matinée politique sur les enjeux des scrutins de 2023. L'UDPS Force du Progrès, son président Kennedy Ngandungandu, a exhorté aux habitants de Ngaliema à se faire enrôler massivement pour donner la victoire écrasante au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à la présidentielle de 2023. Au cours de cette matinée politique, l'UDPS Force du Progrès Lukunga a également dénoncé l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ici est de rappeler que, pour l'identification des membres au sein du parti, Kennedy Ngandungandu a remis les actes de la fiche d'affectation au coordonnateur de Fédération des Lukunga et les cartes de membres. Un appel à l'enrôlement massif dans l'armée de la jeunesse congolaise pour la défense du pays, il a été lancé par la cellule de l'UDPS limitée lors d'une matinée d'information. Suivi et analysé minutieusement la situation sécuritaire du pays, déclarant ce qui suit. Réitérons notre soutien indéfectible et total au chef de l'État pour les efforts diplomatiques et militaires afin de mettre fin à l'insécurité qui écume la partie est de notre pays. Soutenons l'appel du président de la République, chef de l'État, lancé aux jeunes Congolais de s'enrôler massivement dans l'armée pour sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. Et cher pays, la RDC. Fustigeons les comportements de la communauté internationale qui, tout en reconnaissant l'appui du Rwanda au mouvement M23, joue à l'hypocrisie pendant que les génocides et les crimes d'agression sont en train de se passer dans notre pays. Apportons notre soutien sans faille à la mobilisation générale de notre peuple pour barrer la route aux ennemis de la République qui ne jure que sur la balkanisation de notre pays, la République démocratique du Congo. Saisissons cette occasion pour réaffirmer notre volonté à soutenir le chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, qui est le symbole de l'unité nationale de notre pays. Il dépense viva! Vive la santé. Beaucoup de fausses informations circulent à travers les réseaux sociaux, notamment en matière de santé de la reproduction, avec des conséquences néfastes sur le comportement de la population. C'est ce qui a motivé cette formation des journalistes sur les techniques de vérification des faits. Commentaire Jean-Pierre Ndolo-Demazou. Avec l'appui de AIPAS International et en collaboration avec le réseau des journalistes pour la santé sexuelle et reproductive, 20 professionnels des médias opérant à Kinshasa viennent d'être outillés sur les techniques de vérification des faits, accent placé sur les questions de santé sexuelle et reproductive. La mise à jour de leurs connaissances en cette matière avec des évidences, notamment sur l'ampleur des avortements dans le monde et en République démocratique du Congo, avec des conséquences qui en découlent, voilà qui a permis aux participants désormais capables de démêler le vrai du faux, de se faire une idée plus claire du travail qui les attend. Grâce à cette formation, j'ai dû connaître et savoir bien les bases en ce qui concerne la santé reproductive et sexuelle. Dans cette société absorbée par des informations venant de toutes parts, les journalistes sont encouragés à faire la différence. Les réseaux sociaux, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui décident de mettre les informations qu'ils veulent. Peut-être que les informations ne sont pas certifiées, elles ne sont pas vraies, et parfois nous tombons dans ça. Mais je crois que cette formation va certainement vous aider à faire la bonne collecte des informations, c'est-à-dire à choisir les bonnes informations, les véritables sources crédibles, à les identifier avant de les diffuser. Cet atelier de 3 jours s'est clôturé avec l'engagement des journalistes à lutter contre ces fake news qui mettent en danger particulièrement la vie des femmes et des filles en République démocratique du Congo. Le Conseil national de l'Ordre des médecins a réuni dernièrement toutes les représentations des 26 provinces pour la tenue du Congrès. L'objectif est d'évaluer les travaux en cours et le projet des élections prochaines dirigées par le président Dr Bertin Tsadi. Rodé Panda. Relativement à l'article 63 de la nouvelle disposition du règlement intérieur de l'Ordre des médecins, une session de 2 jours vient d'être tenue du 6 au 7 décembre 2022 à Caritas, dans la commune de la Gombe, où tous les représentants des 26 provinces
ont pris part. Ces assises ont coïncidé avec l'an 1 du mandat du nouveau bureau national qui a débuté le 1er janvier 2022 et prendra fin le 31 décembre 2026. Quelle est la quintessence et la motivation de cette session? La réponse avec le docteur Ntsadi Berthier, président national de l'Ordre des médecins. C'est une première et cette session s'est présentée sur le bilan des activités de l'année 1 de ce mandat qui a commencé le 1er janvier 2022 et qui va aller jusqu'au 30 décembre 2026. Donc le Conseil national a tenu ses premiers travaux et chaque conseil provincial a présenté le bilan de ses activités selon le canevas est dicté. Et durant ce conseil, le Conseil national a aussi tenu des conseils en interne et un certain nombre de décisions ont été prises. Le Conseil national continue à évoluer vers l'uniformisation du fonctionnement des conseils à l'échelle nationale, c'est-à-dire des conseils provinciaux. Il faut noter qu'il sera aussi question au cours de ces travaux de discuter sur la réhabilitation de certaines universités ayant répondu aux normes et devenu viables pour organiser les enseignements de la médecine. Autre actualité de la province de l'Équateur, la journée nationale de l'arbre célébrée à Mbandaka a été marquée par le lancement du projet de reboisement de 4 hectares d'arbres à Bolimbé, ceci dans le cadre du programme scolaire de plantation d'un milliard d'arbres à l'horizon 2023, initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. De la journée nationale de l'arbre à l'Équateur édition 2022 a été marquée par le lancement du projet de plantation de 4 hectares d'arbres dans les sites de Bolingué à 7 km de la ville. Projet exécuté par la coordination provinciale de l'environnement sur financement du Fonds forestier national sous la houlette du directeur général, l'ambassadeur Honoré Moulumba Kalala. Ceci dans le cadre du programme Jardin scolaire des plantations d'un milliard d'arbres à l'horizon 2022, programme initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Différents intervenants à cette cérémonie, notamment le vice-gouverneur Taylor Ngandi, le ministre provincial de l'Environnement à l'intérim, sont revenus sur la nécessité de reconstituer les capitales forestiers, question de consolider les statuts de la RDC comme pays solution face au réchauffement climatique. Le directeur général du Fonds forestier national, grâce à son leadership éclairé, vient de financer le reboisement des 4 hectares au site des Bolémi. À titre symbolique, quelques arbres ont été plantés au parc de la jeunesse par les vice-gouverneurs, les ministres provinciaux de l'environnement, la FAO et les chefs d'antenne du Fonds forestier national. La deuxième édition de la semaine congolaise du tourisme a vécu à Kinshasa. La province du Haut-Lomami a été représentée par le ministre provincial du tourisme. Héritier Katadoula a fait voir au monde à travers cette messe touristique les potentialités que regorge cette province. Iverson Kaboba. C'est une délégation importante venue présenter la province du Haut-Lomami dans la semaine congolaise de tourisme pour la valorisation des potentialités que regorge cette province, tenue au musée national de Kinshasa. Cette province offre un milieu de vie naturel à travers le parc national de Lupemba. La fertilité du sol a milité pour le développement de nombreuses concessions agricoles avec un potentiel touristique important grâce à ses chutes, a expliqué le professeur Ilunga Bondo Freddy. Oui, cette deuxième édition nous a réservé beaucoup de surprises. La province du Haut-Lomami est une province encore vierge sur le plan touristique. Parce que cette province regorge suffisamment de potentialités, lesquelles potentialités, lorsqu'elles sont mises à profit, lorsqu'elles sont capitalisées, elles peuvent nous apporter assez de touristes et le Haut-Lomami peut faire du tourisme une industrie pouvant lui produire suffisamment de moyens. Eliumba Kalinga a été représenté par le ministre provincial des Mines et Tourisme, héritier Katandula Kamwisha, dans ses assises dédiées à la culture congolaise. Et pour terminer, plusieurs hommes, serviteurs et enfants de Dieu de toutes tendances confondues de la capitale Kinshasa viennent de suivre une formation sur la gouvernance de Dieu et dans l'Église. D'autres détails dans ce reportage signé Serge Berlimata.
Ainsi, durant ces 5 jours, les bénéficiaires ont planché sur comment recevoir un héritage spirituel. Pratique, cette session de formation a été une opportunité pour les participants qui ont été édifiés sur les saluts en Jésus, les fondements, la foi chrétienne, les temps de la grâce et les priorités d'un ministère des dieux, ainsi que les qualités particulières que Dieu accorde à l'homme a envie de manifester sa grandeur. Dans son mot des circonstances, tiré de l'épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 6, le révérend pasteur Denis Ntuzilaras a exhorté les participants à faire grandir leur foi dans et par la connaissance de Christ, compte tenu la lourde responsabilité qui les attendent. À titre d'exemple, les enseignements relatifs à la sanctification, à la doctrine sur la justification et les baptêmes et de l'imposition des mains et bien d'autres. Encore, pour de nombreux participants, cette formation a été très bénéfique. Chaque chrétien doit suivre notamment les enseignements liés à la sanctification, la doctrine de la sanctification, les baptêmes d'eau par immersion, la doctrine sur les baptêmes du Saint-Esprit, la doctrine sur l'imposition des mains. Il faut qu'on nous explique les mains c'est quoi et pourquoi lorsqu'on prie pour une personne, on doit lui imposer les mains. Qu'est-ce que les mains transmettent ? Initié par l'église cité Bethel, de Bandolungwa, cet atelier de renforcement des capacités organisées à l'intention des hommes, des serviteurs et enfants de Dieu, a révélé une importance capitale, en ce sens qu'il participe à l'émergence et à faire avancer l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Réalisé par Patrick Bapuila, Discover Pongo, ce journal est à son terme. Merci à vous de l'avoir suivi. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous retrouve très bientôt. Au revoir.